Hey, on fait partie de Docteur Robotnik sur Mega Drive? Robotnik, hein? C'est dépassé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une Puyo Puyo Tetris! C'est un mix entre deux licences phares du jamais vu. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Docteur Robotnik, Docteur Robotnik est un jeu sorti sur Mega Drive et Game Gear en 93. Le titre est la version occidentale de Puyo Puyo. Il est basé sur la série animée de Les Aventures de Sonic. Merci à vous. Et on se retrouve donc pour Puyo Puyo Tetris avec Ray. Ouais. Et on tout de suite le menu. Alors, nous avons l'aventure qui est composée de multiples défis en Tetris et en Puyo Puyo. Après, nous avons le solo arcade, donc voilà la base, le multiplayer arcade, les leçons, le live, et puis les options. Donc, tu peux customiser tes machins, enfin tes boules, tes carrés. Voilà, voilà. Bon, on va peut-être commencer par les leçons, t'en as peut-être besoin, non? Non, ça commence à tacler, j'aime ça. On est parti pour le multiplayer. Donc, il y a le versus. Soit tu joues Puyo, soit Tetris, soit les deux, enfin bref, voilà. Fusion, ce qui tombe, c'est soit du Tetris, soit du Puyo Puyo, donc après c'est un peu mixé. Swap, tu joues 25 secondes. Puyo Puyo, 25 secondes Tetris. Exact. Et Big Bang, en gros, vu que c'est ton mode préféré, je te laisse écrire. Faut faire le plus de lignes possible en un minimum de temps. Et le mode party, qui est... la technique, je peux dire, de l'enfoiré, c'est-à-dire quand tu fais des lignes ou des combinaisons de boules, tu envoies des attaques à ton adversaire. Très fourbe. Genre, t'as l'écran, enfin ton côté qui s'éteint, ou alors tu peux plus tourner tes pièces. Donc, je pense qu'on va partir sur un petit versus. Ouais. Allez, ouais. On est parti. C'est parti. On est parti. Alors, moi, je prends le petit et je vais mettre un Puyo. Moi aussi. Tu prends un Puyo, ouais. Ouais. Tranquille. Tranquille. Donc en gros là tu peux customiser tes pièces, mettre un handicap. Alors là c'est classique, donc celui sur SNES. Ça c'est le Fever aussi. T'as l'aqua qui est pas nouveau. Et t'as le Fever, c'est les boules de Puyo Puyo Fever, je crois si je dis pas de conneries, sur PS2. Alors, le plus chiant déjà, c'est de monter ton petit mur pour faire tes combinaisons. Si t'as pas de bobo là, tu peux pas faire de combinaison. Là, c'est embêtant. Eh oui. Putain, mais genre, l'autre elle commence, normal. Ben Dieu! Ah non, mais là, c'est. C'était noir. C'est scandaleux ça. Ah, oh. Et c'est une première victoire pour le Captain. Oui. On est reparti. J'adore ce bruit. Grande question, est-ce que tu étais fan de Tetris étant jeune? Bah j'ai pas vraiment beaucoup joué quand j'étais petite. Est-ce que tu étais adepte du Tetris dans les toilettes? Non. J'avais pas de Game Boy. Oui. Tout le monde va avoir un Tetris dans ses toilettes. Je sais pas ce que vous en pensez. Certes, après t'as la Game Boy qui sent un peu l'excrément. Alors, c'est un genre. T'as la faire tomber dedans, quoi. Non, c'est pas ça, la force de voir. Sur la Game Boy, c'est cool. Et après, voilà, ça t'entraîne. Et après, tu peux t'arrêter avec tes copains parce que tu sais jouer à un jeu casu. Je parle, mais je fure. Voilà. Allez, c'est une défaite! C'est une défaite! Non, mais ça veut rien dire, ça veut rien dire. Un coup de chance, un coup de chance. Une victoire chanceuse, on pourrait dire. C'est incroyable ce qui se passe sur ce plateau. Je vais encore en prendre plein la gueule. Là, je pense que j'ai pensé que tu devrais arrêter de faire des choses comme ça. Tu vas te prendre ça, tu vas te reprendre ça. Et tu vas te reprendre ça, ok? Suffit une connerie, hein? Le mec, c'est Team Windshake, en fait. C'est ça. Damn! Damn!
bug de l'écran. Il y a eu un bug de l'écran. C'est un bug de l'écran, malheureusement. On se fait un Tetris. Tetris, au pire. Pas pour un Tetris. Ah, j'aime pas comment c'est qu'un verre comme ça. Mais tu peux le bloquer. Oui, toi, tu ah oui, c'est vrai, tu peux. Voilà, t'as vu sur le côté, tu peux garder une, voilà, moi, une pièce. C'est très utile pour les bars. Exact. Les grandes babars. Babar, le. Ça commence, mon gars, ça commence. Voilà. Et oui, et c'est re-Tetris. Sans de la détermination. La fougue. On sort de ce pétrin, on pourrait dire. Ce pétrin de tout temps. Non, c'est la merde! Putain! Alors? La mauvaise posture. Ceci n'est pas de reproduire chez vous. C'est très dégueulasse. Et c'est la défaite du Captain sur Tetris. Mais winner sur Puyo. On va se départager sur quel balai? Swap. On va sur Swap. Alors comme je disais, Swap, 25 secondes Tetris, 25 secondes Puyo ou inverse, ça dépend. Et ça sera Puyo. Oui, Puyo. Et là, on se voit. Petit enchaînement, voilà. Moi j'entends encore des trucs, hein. J'ai eu peur. Quand t'entends les... Oui, ça c'est pas très bon. Bon ça. Tu l'as là. Je ne pense pas. Mais non, mais par contre, tu vois, j'ai pas compris parce que j'ai lancé. Parce que j'ai fait un Tetris aussi. J'ai fait un Tetris plus. Ah! Je pensais pas qu'il y allait avoir ce que ça serait. Bon, bah écoute. Ce fut une très bonne partie de Puyo Puyo Tetris en ta compagnie. Oui. Si tu as aimé cette vidéo, tu es amateur de Tetris et que tu aimes bien faire quelqu'un en jouant à Tetris, et bah aime et puis partage cette vidéo. Hein? Abonne-toi. Allez, à bientôt.